Eh bien, toujours à la foire de Dole, et bien toujours sur le stand de Fréquence Plus, où j'ai l'honneur d'avoir en face de moi Anthony Eustache. Bonjour Anthony. Bonjour Sylvie. Alors, on se voit partout, tous les deux. On s'était vus à Beaune, on s'était vus à Nuit-Saint-Georges, on se retrouve à Dole. Absolument. Et toujours pour la dédicace de ton livre. Ah ben, en l'occurrence, le livre, mais aussi pour présenter la radio en général, avec toute mon équipe, aller à la rencontre des auditeurs et des clients nombreux qui nous font confiance qu'on soit là encore aujourd'hui. En tous les cas, moi je tiens à te remercier pour ta gentillesse, puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ta machine à photo avec les prestataires qu'ils ont adoré. Donc je te remercie beaucoup. Et c'est quoi la prochaine animation pour Fréquence Plus ? La prochaine animation sera évidemment sur un événement aussi très important, toujours à Dole pour l'instant, c'est le Chat Perché, la balade du Chat Perché, où là ça réunit au cœur du centre-ville de Dole en plein air. Environ 30 000, 35 000 visiteurs tout autour de la gastronomie et des jolis sites d'Aulois. Donc ça c'est intéressant, on sera évidemment présent à la fois au cœur du centre-ville avec notre belle machine que tu as découvert, donc vous allez pouvoir partir avec vos photos. On offrira avec l'équipe du matin, en l'occurrence avec nous, service Totem, Cynthia, tous les matins à partir de 7h, les croissants et le café dans notre stand au cœur de ville. Et on aura un autre événement au mois d'octobre, à ne pas manquer non plus, qui est le savoir-faire jurassien, c'est Maline Jura, où là on sera présent et on va vous montrer comment on fait de la radio. C'est-à-dire vous allez pouvoir venir et on va vous expliquer notre métier, vous allez pouvoir vous asseoir, parler dans un micro si ça vous le dit. Voilà, ça va être très... Moi aussi alors. Comment ? Moi aussi j'aurai le droit. Bien sûr, tout le monde pourra venir, c'est totalement gratuit. Et puis je disais dans l'interview de Charlie qu'en plus tu m'as invité à venir visiter les studios. Oui, 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 les studios, qui sont des studios régionaux. Les studios Dernier Cri numérique s'inscrit dans la technologie d'aujourd'hui et on prend même, je dirais, un petit peu d'avance sur notre technologie future. Et on ouvrira d'ailleurs notre première fréquence numérique d'ici la fin de l'année, c'est prévu sur décembre-janvier à Strasbourg. Donc on sort un petit peu de nos frontières de Bourgogne-Franche-Comté puisqu'on a 11 fréquences en Bourgogne-Franche-Comté et là on arrive en Alsace. Ben c'est pas fini. Et moi j'adore les scoops comme ça. À chaque fois que tu me fais un scoop, moi j'adore. Je vais bien t'interviewer toutes les semaines. Hein. En tous les cas, je te remercie pour ta gentillesse ainsi que la gentillesse de toute ton équipe qui était là pendant les 4 jours. Vous êtes tous vraiment géniaux, attachants et tout. Et puis ben, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Avec plaisir, peut-être à la foire de Beaune, qui sait. Qui sait. À bientôt. Au revoir. Au revoir.